Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20h. Et tous les mercredis à partir de 20h, heure de Paris, que le Seigneur puisse réellement nous être favorable. Nous sommes là pour répondre à vos questions, nous sommes là pour pouvoir réellement répondre à vos préoccupations. C'est une émission où nous répondons aux questions que vous nous posez, une émission où nous venons apporter la lumière, l'éclaircissement sur les points obscurs, sombres, que nous ne saisissons pas très clairement. Et nous sommes à votre service par la grâce du Seigneur. Que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse, vous qui vous disposez pour pouvoir réellement passer un temps avec le Seigneur, passer un temps avec nous, passer un temps autour de la parole. Que Dieu vous soit très très favorable. Que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, qu'il puisse vous assister en toutes choses, qu'il puisse bénir le travail de vos mains, qu'il puisse vous accorder la victoire, la prospérité, le bonheur, la paix, la joie que le monde ne peut vous accorder dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Grand merci à tous ceux qui nous soutiennent dans leurs prières, tous ceux qui nous assistent au travers réellement leur participation. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur puisse récompenser réellement votre attachement à l'œuvre de Dieu. Salutations à notre sœur Bibi Chimemba, que le Seigneur vous salue, vous bénisse. Nous saluons le bien-aimé Todd Muyokolo Mbemba, que le Seigneur vous bénisse. Salutations à notre bien-aimée Méziane Emmanuel, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy, la sœur Florence, la sœur Nyota, nous saluons la sœur Ida, nous saluons la sœur Mati, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à notre bien-aimé Bertrand et la sœur Sylvie, le bien-aimé Rocky, la sœur Cindy, le bien-aimé Waro, la sœur Cécile, Jessica, nous bénissons, n'est-ce pas, la sœur Cécile, le bien-aimé José, nous saluons le bien-aimé Joseph, la sœur Wani, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Liliane, à la sœur Charlotte, nous saluons la sœur Francine, que Dieu vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Farid, la sœur Aurélie, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Salutations à notre bien-aimé Ghislain, qui a posé des questions, n'est-ce pas, et qui nous permettent de pouvoir réellement répondre aux préoccupations qui peuvent être les préoccupations de plus d'une personne. Nous sommes là et en train de pouvoir réellement essayer de donner des réponses et nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, peut réellement vous apporter satisfaction dans les questions qui nous sont posées ou que vous vous posez et que vous avez la réponse. C'est le souhait de notre cœur pour que vous puissiez véritablement recevoir réellement la paix. Que vous soyez satisfait, n'est-ce pas, en ayant la réponse de la part de notre Seigneur. Nous saluons le bien-aimé Victor dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Ok, comme je l'ai toujours dit, parfois nous mettons le thème, surtout pour l'émission que la Bible parle, nous essayons de pouvoir mettre un thème qui englobe la pensée de la question, mais je me ferai le devoir de pouvoir lire réellement la question, lire la question et pouvoir réellement
essayer de répondre, n'est-ce pas, à la question. J'ai marqué, j'ai intitulé le monopole de la parole de la vérité. Pourquoi? Parce que je vais répondre à deux questions de notre frère Ghislain Bunetta. Je lis les questions. Il dit, pourquoi aujourd'hui, pour être reconnu comme ministre du Seigneur Jésus, un serviteur de Dieu doit obligatoirement être sorti, soit de l'université 83, ou encore devrait-il avoir un lien avec un des ministres venant du Congo, et encore lui-même sorti de cette université 83? Et la deuxième question, aujourd'hui peut-on dire qu'il n'y a que les Congolais qui ont le monopole de la parole véritable? Et surtout ceux des assemblées des saints. Et est-ce qu'il n'y a que eux qui entreront dans le royaume des cieux? Voilà. Donc ça, ce sont les questions de notre bien-aimé. On va essayer de pouvoir répondre. Je sais que à une des questions, par exemple, pour dire qu'il n'y a que les Congolais, je crois que j'ai déjà répondu à cette question, mais sauf que moi-même. Je ne sais plus quel titre j'avais donné. J'ai déjà répondu à cette question-là. Par rapport à la reconnaissance, c'est lié. Pratiquement, il y a un lien. Voilà pourquoi je dis, si le ministre, pour être reconnu, doit venir de l'église. Université 83 qui est à Kinshasa, ou être en lien avec un ministre de là ou d'un ministre qui vient du Congo. Et la deuxième question, c'est comme si ce sont les Congolais, ça vient de Congolais. Voilà, j'ai déjà répondu à cela. Bon, quand cela ne tienne, nous allons essayer de pouvoir réellement essayer de répondre peut-être autrement avec d'autres mots. Et ça pourra toujours essayer d'apporter des précisions et des éclaircissements, n'est-ce pas, par rapport à nos préoccupations. Voilà. Je crois que une fois j'ai parlé de mon historique, historique de ma foi, c'est toujours pratiquement lié à cela. Et vous allez comprendre qu'en réalité, aujourd'hui, n'est-ce pas, le vrai problème, c'est le problème, ce que je peux dire, d'humilité, c'est-à-dire de laisser à Dieu sa place et de pouvoir réellement, peut-être revendiquer sa petite grâce, c'est aussi bon, mais c'est vraiment, vraiment laisser la place à Dieu. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et je crois qu'il y a une écriture qui dit que l'œuvre de Dieu prospérera entre les mains de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel prospère entre ses propres mains. Donc, si c'est l'œuvre de Dieu et que cette œuvre prospère entre les mains de l'Éternel, nous devons avoir réellement de la retenue pour pouvoir réellement s'immiscer, n'est-ce pas, dans cette œuvre-là, pouvoir réellement vouloir prendre une place dans l'œuvre de Dieu. Si nous pouvions véritablement être humbles, je crois que les choses vont aller de soi. De même, lorsque Dieu nous fait grâce, il se révèle à nous. Nous devons être humbles pour reconnaître comment est-ce que Dieu s'est révélé à nous, comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, nous a fait grâce. Cette humilité-là va permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse prospérer entre les mains de l'Éternel sans souci, sans problème, sans difficulté, sans couac, sans réellement frustration, sans réellement déception. Voilà. L'œuvre de Dieu allait prospérer de manière vraiment simple si tout le monde était humble. Pourquoi je dis ça? Parce que les questions, moi, je sais de lire au-delà de questions.
J'essaye de pouvoir lire, n'est-ce pas, et pouvoir réellement essayer de comprendre, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il y a derrière la question. Vous voyez, comme je le dis, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Quand il y a monopole, hein, je prends déjà monopole, vous allez voir que les gens seront frustrés. Les gens dans le commerce, dans la vie au quotidien, lorsque il y a monopole, il y a une certaine frustration de la part des gens. Vous voyez, les gens se disent, mais bon. S'il a le monopole de vente, donc on est pratiquement ses esclaves, on n'a pas de choix, on n'a pas, il y a toujours des frustrations dans ce sens. Donc quand on parle, est-ce que les Congolais, c'est eux qui ont le monopole, hein? Certainement, un non-Congolais doit être frustré pour se dire, mais pourquoi seulement eux et pas nous? Voilà, donc. On sent, n'est-ce pas? Moi, c'est ça. Peut-être que je vais répondre comme je vois la question. Vous voyez, cette frustration-là. Et là, je comprends que c'est peut-être la manière dont nous avons peut-être véhiculé cette vérité fait que qu'il y ait de frustration dans ce sens-là. Bon, moi, Dieu a fait grâce pour que nous puissions passer un temps assez long, n'est-ce pas, dans cette foi, dans cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc, nous avons quand même, d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Donc, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Donc, je pouvais aussi être parmi ceux qui croient tout récemment. Donc, ce n'est pas un problème de croire tout récemment ou d'être parmi peut-être les pionniers, tout ça. Donc, d'abord, vidons toutes ces frustrations hein, de peut-être de voir que, mais pourquoi ces gens. Ils veulent montrer qu'il n'y a que eux qui ont la vérité et la vérité n'est pas ailleurs. Si nous vidons, n'est-ce pas, toutes ces considérations, nous pouvons analyser froidement les choses. Voilà, déjà, dire que c'est par principe, hein, je dis c'est par principe parce que nous aussi, lorsque nous avons cru, nous avons posé pratiquement les mêmes questions. Nous avons posé les questions pour dire. Parce que, mais vous voulez dire qu'il n'y a que vous qui avez cette vérité. Bon, écoutez, les réponses qui nous ont été données sont des questions qui nous avaient satisfaits, n'est-ce pas? Dans le sens que on nous a donné l'exemple de Élie Tishbite, qui avait dit à Dieu. Je suis resté seul et tous les prophètes ont été tués, tous ceux qui t'adorent ont été tués, je suis resté seul. Et Dieu va lui dire que non, ne t'en fais pas, je me suis préservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc là, ils nous ont dit pour dire que voilà, Élie se croyait seul, mais cependant Dieu avait préservé 7000 hommes. C'est-à-dire que vous pouvez vous croire seul, mais Dieu peut avoir ces 7000 hommes ailleurs. Nous avions été satisfaits de cette réponse. Une autre réponse qui nous a été donnée, je crois, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, n'est-ce pas, où on nous a dit que l'œuvre de Dieu a mis, n'est-ce pas, dans la pensée de l'homme, la pensée de l'éternité, l'éternité dans la pensée de l'homme. Donc, c'est-à-dire, l'homme sait qu'il y a une éternité, mais cependant, l'homme ne sait pas comment est-ce que l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, est en train de pouvoir être évoluée, comment l'œuvre commence et
s'épanouit et comment l'œuvre est achevée. Donc, ça nous a calmés, hein, ça nous a calmés pour dire que voilà, l'œuvre de Dieu ne dépend pas de nous. C'est vrai que nous pouvons vouloir savoir mais comment ça a commencé et voilà. Ça nous a calmés. Hein. Moi, en tout cas, ça m'avait calmé que, sachant que il peut y avoir des gens qui puissent confesser la même chose que nous, quelque part dans le monde, que nous n'avons pas contact, donc Dieu seul sait. Et bon, les choses commencent. Est-ce que c'est vraiment ça commence au Congo, vers quelle année? Dans les années 80, et tout ce temps-là, entre les apôtres et nous, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la réponse d'Ecclésiaste m'avait calmé dans le sens de savoir que tout en ayant la pensée de l'éternité, mais je ne sais pas comment est-ce que l'œuvre de Dieu peut pouvoir réellement commencer et aller s'achever. Attendez, je cherche l'écriture, hein, si je vais retrouver dans Ecclésiaste. Comme ça, je vais pouvoir réellement voir. Voilà. Ok. Ecclésiaste chapitre 3. On dit ceci au verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Voilà, ça c'était une belle écriture qui m'avait calmé. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si les frères avec qui nous étions, peut-être qu'ils étaient calmes à ce moment-là. Aujourd'hui, ils sont encore préoccupés pour savoir est-ce que ces choses commencent avec nous ou pas. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que les questions du bien-aimé, ce sont des questions qu'on s'est posées. La chose commence avec vous, avec ceux qui nous prêchaient la parole. Ils nous ont répondu de cette manière. Sommes-nous, êtes-vous ou sommes-nous les seuls à pouvoir réellement avoir. Ils ont dit que non, Dieu se préserve lui-même 7000 hommes. Et en plus, je crois dans le livre de Luc 9 ou Marc 9, où il y avait un homme qui chassait les démons au nom de Jésus, et que Jean et les apôtres ont voulu véritablement interdire à cet homme de pouvoir chasser les démons au nom de Jésus parce qu'il ne les suivait pas. Jésus a dit, non, laissez-le. Si quelqu'un n'est pas contre nous, n'est-ce pas, c'est qu'il est pour nous. Ça, c'est aussi un exemple qu'on nous a donné pour dire que non, voilà, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui confesse comme vous. Donc, il n'est pas contre vous, c'est qu'il est pour le Seigneur. Voilà. Ça, ce sont des choses qui devraient, des principes qui devraient nous calmer, nous rassurer que voilà, c'est comme ça que les choses doivent évoluer. Mais ce qu'il y a, les questions que nous nous posons, mais nous allons voir que les apôtres se sont confrontés avec ces choses aussi. Ouais. Alors nous savons, les Écritures démontrent que voilà, c'est au moment où le Saint-Esprit a été donné que Pierre s'est levé pour prêcher la parole. C'est alors que l'Église, n'est-ce pas, a été manifestée et on a commencé à prêcher la parole. Et là, je reste d'abord dans la Bible parce que la question, je vais revenir, hein, je n'ai pas oublié, ça, ce sont des choses pour pouvoir réellement préparer, n'est-ce pas, pour avoir la réponse. Je sais que si je ne le fais pas, si je donne une réponse, ça peut ne pas vous satisfaire et ne pas pouvoir réellement apporter peut-être voilà, la tranquillité ou la paix. Donc, nous avons vu les apôtres, ce qui est écrit. Voilà. Les apôtres recevoir le Saint-Esprit et prêcher la parole du Seigneur. Vous allez voir que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher. Ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Retenez ça. Ils ne prêchaient qu'aux Juifs, tout ça. Et
Il s'est fait à un certain moment, il y a eu persécution, n'est-ce pas, à l'église. On a tué Jacques et on a dispersé les disciples. Les disciples seront dispersés et ils vont pouvoir réellement aller disons, n'est-ce pas, les Écritures, vous allez voir qu'ils vont aller à Samarie et de Samarie, ils vont aller en Judée, de Judée en Samarie et de Samarie, ils vont aller, n'est-ce pas, en Asie mineure, en Asie et puis même en Europe, donc ils vont se disperser. Écoutez, comme vous le savez, nous n'allons pas comprendre comment l'œuvre de Dieu commence et jusqu'à sa fin. J'ai donné l'écriture de l'Ecclésiaste. Il faut rester, mais nous essayons de saisir quand même ce que nous pouvons saisir. Donc, je prends l'écriture dans Actes, n'est-ce pas? Actes chapitre 8. Vous allez voir au verset 1, Saül avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voilà. Donc, et pourtant, le Seigneur, dans Actes chapitre 1, le Seigneur va leur dire ceci. Nous sommes au verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, même le Seigneur, ici au moins, il démontre que comment l'œuvre va pouvoir évoluer, commençant à Jérusalem, va passer en Judée, Samarie et extrémité de la terre. Et là, nous voyons déjà que lorsqu'ils seront persécutés, ils vont aller en Judée et en Samarie. Et ce que j'aime bien, Philippe va rencontrer l'eunuque éthiopien et va lui annoncer la parole. Et vous savez que l'eunuque éthiopien venait de l'Éthiopie. Le Seigneur, c'est symbolique, hein? Je parle de manière symbolique. Le Seigneur va parler, n'est-ce pas, de l'Éthiopie comme étant des extrémités aussi de la terre. Parce que lorsque le Seigneur va parler de la femme de la reine de Saba, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, il va dire au verset 42, la reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Voilà. Vous voyez, symboliquement, vous voyez, ils seront persécutés et ils vont aller en Judée annoncer la parole, en Samarie et annoncer. Et symboliquement, Philippe va annoncer l'intendant, n'est-ce pas, de la reine d'Éthiopie, la parole, et qui va aller en Éthiopie avec cette bonne nouvelle. Voilà pourquoi moi je ne crois pas que ce sont les colons qui ont amené la parole de Dieu en Afrique. Parce que nous voyons que l'intendant ici a amené la parole de Dieu en Afrique. Vous voyez, maintenant Paul et les apôtres, est-ce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui est allé en Afrique, en Éthiopie, n'est-ce pas, ayant reçu le salut, la bonne nouvelle du royaume, n'est-ce pas, et qui pouvait annoncer cette bonne nouvelle en Éthiopie? Est-ce qu'eux, ils savaient comment évoluer cette église-là? Ils ne savaient pas. Voilà. Mais, vous allez comprendre que lorsque Philippe arrive en Judée, n'est-ce pas, on dit ceci, voilà. Je lis
au verset 14 du acte 18, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Voilà. Donc, Philippe n'était pas envoyé. C'est pourquoi je dis, soyons véritablement humbles. L'œuvre de Dieu va voilà, s'épanouir et les gens seront bénis. Il y aura des gens qui vont pouvoir recevoir le salut sans pour autant que la chair puisse s'enorgueillir et que les hommes puissent réellement prendre la place de Dieu. Donc, il n'était pas envoyé, mais lorsqu'il arrive là-bas, il prêche la bonne nouvelle. Vous voyez? Ils se sont dispersés. Mais dans leur dispersion, il y a cette communion fraternelle où ils reconnaissent que non, ce que nous sommes en train d'annoncer, nous les avons reçus de quelque part. Voilà pourquoi, face à leurs difficultés ou à leur réalisation, il faisait toujours part, pas seulement rendre compte, mais apporter cette bonne nouvelle que, ah, nous avons aussi d'autres frères. Parce que c'est une bonne nouvelle quand un païen se convertit. N'est-ce pas que le Seigneur a dit que lorsqu'un païen se convertit, les anges au ciel sont dans la joie. Donc, si les gens se convertissent, c'est une joie. C'est une bonne nouvelle que nous devons partager. Et c'est comme ça doit être simple. Ah, partager avec les frères qu'il y a d'autres frères ici que le Seigneur a gagné. C'est comme ça. J'enlève l'esprit de rendre compte parce que ça, c'est ce qui tue. Après, ben, vous croyez que vous avez le monopole de la parole. Ouais, vous reconnaître, je dois réellement être lié à vous. Voilà. Donc, ici, vous allez comprendre que il va juste annoncer cette bonne nouvelle que la Samarie a reçu aussi la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez? Comme la bonne nouvelle du royaume ne s'étend pas par le vent physique, mais la Bible dit que il fait, n'est-ce pas, des anges, le vent, ses messagers, n'est-ce pas, les flammes de feu. Donc, c'est comme ça que, parce que le vent, c'est un homme aussi, c'est un homme spirituel, c'est ce que le Seigneur dit à Nicodème. Vous voyez, celui qui est né d'esprit, n'est-ce pas, devient un vent, voilà, pour annoncer la bonne nouvelle partout où il va. Donc, vous allez comprendre que là où Philippe est allé, il était humble. Humble de savoir que je viens de quelque part où j'ai reçu la parole de Dieu. Et lorsque ceux qui ont reçu, il était dans la joie de pouvoir annoncer cela à ses frères. Voilà. Donc, c'est véritablement ça aussi ce qu'il faut faire. Donc, Dieu travaille avec les hommes. Donc, vous allez voir que voilà pourquoi quand il y avait quelques problèmes ailleurs, n'est-ce pas? Eux tous reconnaissaient que non, ces choses, n'est-ce pas, nous les avons reçues quelque part. C'est naturel, hein? Sans pour autant vouloir élever les apôtres, tout ça, ben, ils les reconnaissaient. Voilà. C'est pourquoi, généralement, on allait se référer, n'est-ce pas, à Jérusalem. Est-ce que nous pouvons échapper à ce que les apôtres ont vécu? Non. Parce que comment nous, on va échapper à cela? C'est-à-dire que nous sommes aussi des hommes. Lorsque nous recevons la parole, nous devons savoir d'où nous avons reçu la parole et où est-ce que vous annoncez la parole. Vous devez savoir aussi où est-ce que vous êtes en train d'annoncer la parole. Voilà.
Je vais pouvoir réellement lire. Vous allez comprendre que ici, quand on écrit, on peut retracer. Quand c'est écrit, on peut retracer. Quand ce n'est pas écrit, on ne sait pas retracer. Question maintenant. Nous avons vu Philippe quitter, n'est-ce pas, Jérusalem, arriver à Samarie. C'est écrit. Et quand ils ont reçu, on a fait un rapport à Jérusalem, eux, ils ont envoyé Jean et Pierre et Jean. Arrivés là-bas, ils ont prié le Saint-Esprit. On a écrit. Maintenant, quand Paul était en train de persécuter l'Église, Paul va pouvoir réellement aller à Damas. Là, vous connaissez l'histoire, il sera aveuglé et Dieu va l'envoyer vers Ananias qui était un disciple. Maintenant, là-bas, comment est-ce que l'évangile est arrivé là-bas? Ce n'est pas écrit. Ananias, heureusement que Dieu soit loué parce que ici, on dit, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le ministre. C'est bien, c'est bien. Ce sont les principes. Oui, il faut qu'il y ait des serviteurs, des prédicateurs, que Dieu puisse envoyer tout ça. Tout ça, c'est beau, mais la pratique. Vous allez voir qu'à Damas, on peut poser la question, à Damas, qui est allé annoncer la parole là-bas à Damas? On ne sait pas. Mais on sait qu'il y avait un disciple là-bas nommé Ananias, qui avait aussi appris que Paul était en train de pouvoir réellement persécuter l'Église. Et là, il va prier pour Paul. Mais les gens ne se posent pas la question, comment lui, il a reçu la parole? Bon, on suppose. Nous supposons tous que comme les apôtres étaient à Jérusalem et qu'ils se sont dispersés, c'est parmi les dispersés. Mais vous voyez, mais quel est ce dispersé, ce disciple dispersé qui est arrivé là-bas? On ne sait pas. Est-ce que Ananias faisait partie des dispersés? Ça, j'aime bien. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ici, la Bible ne s'est même pas intéressée parce que écoutez, Actes, c'est un livre de recherche. Actes chapitre 1, verset 1. On dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et son premier livre, là, c'est dans le livre, voilà, c'est Luc, ah oui, voilà, livre de Luc. Luc chapitre 1, voilà. Luc chapitre 1. Au verset 1, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Donc, c'est un livre de recherche. Mais pourquoi il ne s'est pas préoccupé, lui, Luc? Il ne s'est pas préoccupé. Mais qui a enseigné Ananias? Comment c'est arrivé? Il y a des choses où il. Bon, c'est Ananias, oui. Qui a. Voilà. C'est comme ça. Pourquoi? Bon, après avoir. Bon, qui a enseigné? Qui est arrivé là-bas, à Damas? Qui fut le premier là-bas? Ce n'était pas leur préoccupation. Mais parfois, ce sont nos préoccupations aujourd'hui. Mais ce n'était pas leur préoccupation. Voilà. Je vais lire en Actes chapitre 11. Actes chapitre 11. On dit ceci, n'est-ce pas?
Au verset 1, les apôtres, les frères qui étaient dans la Judée, apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ah non, c'est pas 11, non, ça c'est. Ah oui, 11 là-bas. Oui, je ne voulais pas lire. Ça, c'est quand Pierre est revenu, n'est-ce pas, de Corneille. Je suis au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Pourquoi je souligne ça? Parce que vous allez comprendre que ils étaient à Jérusalem. Ils sont à un passage à Judée et ils sont arrivés à Samarie. Et la Bible démontre ici que, au-delà d'Israël, de Canaan, du pays de Canaan, ils vont aller, n'est-ce pas, dans l'île de Chypre, à Antioche, n'est-ce pas, ils vont aller à Phénicie. Là, vous allez comprendre que pendant ce temps, Paul n'est pas établi apôtre des incirconcis. C'est important. Hein? Bon, je sais que parfois nous on fait des raccourcis. Apôtre, c'est Paul. Paul a prêché partout à Antioche. On lit comme ça. Bon, c'est pas grave. Ça peut susciter des débats, tout ça. C'est bon. Ok? Donc, vous allez voir que là, Paul ne va pas figurer parmi ceux qui étaient les premiers à annoncer la parole là-bas. Écoutez maintenant. Au verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressant aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que les Juifs avaient tendance à annoncer seulement aux Juifs. Mais parmi eux, il y avait des gens, n'est-ce pas, qui étaient venus, n'est-ce pas, des Cyrènes, qui étaient venus, n'est-ce pas, de Chypre. Ceux-là vont s'adresser aux Grecs, aux non-juifs. Donc, avant que Paul, n'est-ce pas, ne soit établi apôtre des nations ou des incirconcis, eux, ils avaient déjà aussi annoncé. Pierre avait aussi annoncé à Corneille. Eux aussi avaient déjà annoncé. À Antioche, là-bas, il y avait les juifs, mais ils ont annoncé à des non-juifs. Écoutez ce qu'on dit. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Barnabas va arriver. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien plein de Saint-Esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Vous voyez? Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Voilà. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, ils enseignèrent beaucoup de personnes, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà. Voyez ce que je suis en train d'annoncer, ces gens qui avaient annoncé, on ne les a même pas cités. Et c'est Barnabas qu'on va venir citer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ça se fait aussi aujourd'hui. On vient, oh non, parce que toi, tu es un ministre, tu as un frère à commencer l'œuvre, tu viens là-bas, tu l'effaces, tu. C'est toi qui as commencé. Vous voyez comment la Bible reconnaît chacun avec sa grâce. C'était des frères,
qui étaient dispersés, ils ont annoncé, ils ont informé cette bonne nouvelle. On a envoyé un ministre. Le ministre est venu. Il ne les a pas, n'est-ce pas, méprisés. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Oh, d'ailleurs, l'œuvre commence avec les ministres. Ça, ce sont des choses qui font que on commence à dire, mais voilà, pour reconnaître, hein, la question, il faut avoir un lien. Non, non, il faut avoir la grâce, pas de lien. Voilà. Si je dis cela, c'est avec raison. Vous allez comprendre encore que l'Église de Rome, Paul n'y était pas arrivé. Hein. Quand il écrit l'Épître aux Romains, il n'est pas encore arrivé à Rome. Il leur écrit l'Épître aux Romains. Et il va démontrer que il avait tout le temps eu le désir d'aller vers eux. Mais cependant, il n'en avait pas l'occasion. Donc, l'Église de Rome, ce n'est pas Paul. Bon, mais qui a commencé cette Église-là? J'aime ça. Ouais. Vous voyez qu'à leur époque, ce n'était pas un problème de savoir qui a commencé ou qui n'a pas commencé. Leur problème, c'était de savoir comment Dieu était en train de pouvoir, n'est-ce pas, faire épanouir son œuvre. Certains ont été cités, d'autres, on ne les a pas cités. Donc, ce n'est pas grave. Qu'on te cite ou qu'on ne te cite pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça le problème. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque Paul adresse la lettre aux Romains, il n'est pas encore arrivé. Et il va y aller que quand il sera jugé. Et pour qu'il ait sa sentence, il va demander à ce qu'il soit jugé à Rome, pour qu'il ait l'occasion d'aller à Rome. Et il est allé à Rome, n'est-ce pas, comme un accusé. C'est là où il va pouvoir peut-être avoir l'occasion de visiter, n'est-ce pas, les frères de Rome. Mais il avait beaucoup de connaissances parce que il est romain de naissance. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient, n'est-ce pas, qui étaient à Rome. Certains, ils les ont enseignés. Écoutez, quand il se rencontre avec Aquilas, voilà. J'aime les expressions de la Bible parce que là on trouve cette l'humilité qu'il y a, n'est-ce pas? Nous sommes Actes chapitre, voilà, Actes chapitre 19, oh, voilà, 18, Actes chapitre 18. Au verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs des tentes. Comme nous, chacun lit hein, dans sa manière. Bon, vous voyez, Paul les a enseignés. Paul, bon, si Paul les avait enseignés, on allait aussi parler, n'est-ce pas, du fait que voilà, c'était des gens qui étaient inconvertis. Ils ont eu le baptême. Parce que eux, lorsqu'ils vont rencontrer Apollos, ils vont comprendre que non, Apollos parle de choses, mais il ne parle pas du baptême, n'est-ce pas, de Jésus. Et là, ils vont l'enseigner et on dit que Apollos va avoir le baptême. Mais pourquoi eux, on n'a pas raconté? Donc, hein, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Ça, on dit qu'ils sont restés ensemble et on n'a pas vu là où l'Écriture dit clairement que non, il les a enseignés. Ils étaient frères. C'était un juif. Ils venaient de Rome. Vous voyez? Donc l'évangile était déjà à Rome au moment où Paul prêchait encore à Athènes. L'évangile était déjà à Rome.
parce qu'ils s'étaient dispersés. Voilà. Qui a annoncé l'évangile à Rome? On ne sait pas. Mais quand ils ont reçu l'évangile, c'est ça, la communion fraternelle. Partout où on va, on s'informe, n'est-ce pas? Pour savoir que voilà, il y a d'autres frères. Et là, vous voyez, d'où la chose est venue, va revenir. Voilà. Bon, ça, c'est ce que nous voyons dans la Bible. Vous voyez que dans la Bible, l'évangile, le Seigneur a donné à certains, ça commençait à aller, et au moment où on va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas, nous allons voir aussi, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'aussi il y a eu, n'est-ce pas, l'évangile qui va se propager aussi parmi les païens. Mais il faut savoir, je souligne bien, il y avait d'autres endroits où ils étaient déjà annoncés, on leur avait déjà annoncé la bonne nouvelle. Donc, Paul va pouvoir aussi annoncer la bonne nouvelle. Je vais parler maintenant. Vous voyez? Donc, rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui est, a été, ce qui sera. Voilà. C'est comme ça aujourd'hui, par rapport à notre foi. Vous n'allez pas nous interdire de pouvoir témoigner les gens qui nous ont prêché la parole. Voilà. Maintenant, comme j'avais dit, que ces questions, on les a posées. Moi, j'ai été tout tranquille, hein, tout bonnement. Bah, ok, c'est bon. Il peut y avoir des frères. Je veux rencontrer des frères. Dans les années 80, 90, 2000, en tout cas, nous n'avions pas les réseaux sociaux. Donc, c'était difficile de savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au Congo, ce qui s'est passé au Cameroun, ce qui s'est passé, n'est-ce pas. Donc, on avait des difficultés de savoir. On pouvait avoir l'esprit borné pour savoir, pour se dire que non, il n'y a que nous. Et c'est comme ça qu'on le disait, hein, il n'y a que nous. On l'a dit, je l'ai dit. Il n'y a que nous qui avons cette vérité. Et tellement qu'on était trop fiers de cela, parfois on ne voulait pas, n'est-ce pas, apporter cette bonne nouvelle aux autres. Parce qu'on trouvait que, il y avait aussi l'écriture qui disait, il ne faut pas jeter, n'est-ce pas, les perles au port. Ils vont fouler ça aux pieds. Donc, la bonne nouvelle était les perles que nous ne voulions pas donner au port qui allait fouler ça aux pieds. Hein? Mais parmi nous, il y avait des gens qui avaient cet esprit de pouvoir propager cette bonne nouvelle. Ils faisaient des cassettes audio, n'est-ce pas? Et on distribuait, ils multipliaient, on essayait de pouvoir distribuer. Celui qui en avait besoin, il le recopiait, c'est comme ça. Donc, il y avait certains qui avaient cette... D'autres, on avait cette fierté de pouvoir se trouver. Bon, moi, j'étais parmi les gens qui voulaient bien partager cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on la partage. Il faut la partager. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous avons commencé à pouvoir aussi annoncer cette bonne nouvelle. Et gloire à Dieu, parce que au moment où nous étions trop fiers de cette bonne nouvelle, certains venaient, ils écoutaient, ils appréciaient. Mais peut-être notre comportement n'était pas à désirer. Ils s'en allaient avec ce qu'ils ont écouté et allaient annoncer cette nouvelle aux autres. Ceux qui étaient humbles, ils ont reconnu que non, nous avons reçu ces choses de ces frères-là. D'autres, comme ils sont venus incognito au milieu de nous, ils ont entendu, ils ont été émerveillés, ils ont compris, ils sont allés. Ceux qui ne voulaient pas dire que non, nous avons entendu ces frères-là, ils ont aussi, ils ont annoncé. Et certains ont dit aussi que non, Dieu leur a parlé. Moi, je suis tout à fait d'accord, Dieu peut leur parler. Ok, ça c'est bon. Et la bonne nouvelle commence à se propager comme nous avons vu, n'est-ce pas, dans les Écritures, parce que rien n'est nouveau. Bon,
Dans les Écritures, c'était la persécution. Mais chez nous, c'était quoi? Peut-être que, voilà, l'envie de pouvoir aller là où tu peux bien t'épanouir, à la recherche d'argent, et tu annonces la bonne nouvelle. Et l'Angola a reçu la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle. Bon, ceux qui sont allés en Angola, ils ont dit que non, Dieu leur a parlé. Moi, je crois, la charité croit tout, je crois. Mais j'ai fait le même constat qu'avec mon frère Ghislain Bunetta. Quand j'ai regardé tous ceux qui étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle en Angola, tous venaient du Congo. Je me suis posé la question, mais comment Dieu s'est révélé à certains frères en Angola, mais il a choisi que le Congolais? C'est pas possible. Là, frère, moi j'ai un esprit de discernement. Je discerne les choses. J'ai compris qu'il n'y a pas d'humilité. Il y a des gens qui ont. Parce que pourquoi ce sont que des Congolais? Et quand vous allez regarder, ce sont des Congolais qui sont venus, n'est-ce pas, du Congo. Voilà. Ce n'est pas que il est né en Angola, il a grandi en Angola et il reçoit l'évangile là-bas. Non, vous allez, quand vous le regardez, il est venu du Congo. Le Saint-Esprit a choisi les gens en Angola, n'est-ce pas, de se révéler à eux, n'est-ce pas, mais venant seulement du Congo. Bon, qu'est-ce que moi je peux dire? Moi, je ne suis pas là pour me chamailler. Bon, je dis amen, ils ont reçu. L'essentiel pour moi, c'est de savoir, est-ce qu'ils annoncent la même foi, la même parole, le même enseignement que je suis en train de confesser et que je crois que c'est l'enseignement que les apôtres ont enseigné, que le Seigneur a enseigné. Si c'est oui, ce sont mes frères. Bon, qu'ils disent que Dieu leur s'est révélé dans les forêts de l'Angola, ce n'est pas mon problème. Ce sont mes frères. Mais je constate que ce sont des Congolais comme moi, dans la chair. Voilà. Voyez? Je crois, mais l'esprit en moi me dit, beaucoup d'entre eux ne sont pas sincères. Ils ont écouté, mais peut-être ils ont été frustrés. Ils n'ont pas voulu dire que nous, nous avons écouté. Nous avons. Donc, le constat est celle-là, hein, frère Benoît. Il y a des frères, eux-mêmes, ils disent que non, 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 Dieu, nous n'avons rien entendu, Dieu nous s'est révélé. Mais ils sont des Congolais. Maintenant, question. Cet évangile a été donné seulement aux Congolais. C'est faux. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire à ça. Voilà. D'où, vous allez comprendre que aujourd'hui, force est de constater, n'est-ce pas, bien-aimé Ghislain, n'est-ce pas, vous allez voir que la façon dont nous prêchons l'évangile, aujourd'hui, il y a Internet, il y a réseaux sociaux, le monde est connecté. Il y a des frères qui parlent français et qui parlent anglais. Ceux qui parlent anglais, ils peuvent vous témoigner. Ils vont vous dire. Ben, quand le constat est celle-là, il faut croire. On a une touche qu'on a des difficultés à retrouver ailleurs. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'on ne ferme pas la porte pour l'instant. On trouve que non, non, non. Tous ceux qui ont cette touche-là, quand vous vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a toujours un lien avec le Congo, avec les Congolais. Voilà. C'est normal, il ne faut pas vous frustrer par rapport à cela. Donc, voilà, ce n'est pas que les Congolais, mais le monopole de la vérité est en Jésus-Christ. Maintenant, ces questions. L'Écriture dit que tout celui qui est dispensateur des mystères de Dieu, il doit être fidèle. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain.
Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. C'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. Voilà. Donc, vous voyez, on demande au dispensateur d'être fidèle au Seigneur. Et c'est que le Seigneur a parlé du royaume, hein, ça, lui-même. Regardez les prédications du Seigneur, c'était le royaume. Si on est fidèle au Seigneur, on va prêcher le royaume. On va prêcher les mystères du royaume. On va prêcher, n'est-ce pas, les choses qui concernent le ciel. Nous restons fidèles à cela. C'est ce qui fait que nous puissions reconnaître la grâce sur quelqu'un. Voilà. Maintenant, nous ne sommes pas des esprits, nous sommes des hommes. Voilà. Et comme aujourd'hui, si j'entends un frère dire des oracles de Dieu, je veux le glorifier. Si je ne le connais pas, je veux lui dire, en tout cas, moi, j'ai été enseigné, n'est-ce pas, par des frères. Lui aussi, il pourra me raconter aussi comment il a aussi reçu cela. Hein? Maintenant, s'il dit que, moi, Dieu m'a parlé. Moi, je crois toujours. Mais, vous allez comprendre que, très souvent, n'est-ce pas, les gens sont assez honnêtes pour dire que non. En tout cas, j'ai écouté. Donc, vous voyez, n'ayons pas honte de dire quand on écoute. C'est comme aujourd'hui, quand j'apprends des choses, je l'ai appris d'un ministre, je le cite, parce qu'il faut savoir citer les auteurs. Nous faisons une rédaction. Quand tu fais une rédaction, quand tu as pris une idée de quelqu'un, tu dois signifier là-bas que l'auteur, c'est tel. Nous aussi, on doit le faire pour dire que cette révélation, ce mystère que j'ai décortiqué, je l'ai entendu du prophète John Willy. Pourquoi ne pas le dire? Tu l'as entendu là-bas, dis que je l'ai entendu là-bas. Voilà. Si on a cette honnêteté, vous allez comprendre. À ce moment, vous allez voir que ça crée ce lien de fraternité aussi. Donc, ce n'est pas correct de dire qu'il faut sortir de l'église d'université 83. Non, ce n'est pas juste. Parce que je connais beaucoup de ministres qui ne sont pas sortis de l'université 83, mais qui sont ministres de la parole. Donc ça, c'est très faux. Hein? Maintenant, ce qui est vrai, c'est la plus vieille église que moi je connais. Moi, je dis moi. Voilà, c'est mon témoignage. Hein? C'est mon témoignage. C'est pourquoi je dis que cette église est l'église aînée pour moi. Selon ma connaissance, c'est l'église aînée. Mais les autres églises, maintenant, écoutez, comme je le dis, cette église a eu l'avantage d'être dans la capitale. Or, déjà humainement, la capitale, c'est le rayonnement du pays. Donc, cette église a bénéficié de ce rayonnement. Parce qu'il y a, nous aussi, à l'Équateur, Dieu nous a parlé. Oui, Dieu vous a parlé. Je ne suis pas là pour discuter. Dieu vous a parlé à l'Équateur, oui. Mais le rayonnement, parce que le rayonnement, c'est cette église-là qui a bénéficié du fait qu'il était à la capitale et le rayonnement de la capitale a donné aussi du rayonnement à cette œuvre-là. Et pour votre gouverne, cette œuvre-là était, pendant que les œuvres dans les provinces étaient beaucoup plus grandes, n'est-ce pas? Un plus grand nombre de gens et puis aussi les moyens logistiques mieux nantis que l'œuvre de Kinshasa. Mais vous voyez que cette aura de l'église de la capitale a été toujours au-dessus des autres églises. C'est comme ça. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, vous allez voir que la plupart des gens qui annoncent cette bonne nouvelle, en réalité, ils ont un lien. Ce n'est pas parce que, non, il y a des frères qui ne sont pas congolais qui annoncent cette bonne nouvelle. Mais si ils sont sincères,
ils auront un lien avec un frère du Congo. Voilà. Mais non, c'est là où je dis que on ne peut pas. Voilà, on a envie que les autres personnes, les 7000 hommes soient encore cachés. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous voulez quoi? Nous, on ne les a pas vus. On voulait qu'on les témoigne. On témoigne les gens qu'on a vus. Les gens qu'on n'a pas vus. Quand on a dit à Élie que j'ai 7000 hommes, il pouvait les citer. Il pouvait dire que non, parmi les 7000 hommes, voilà, il y a Antoine, il y a qui? Maurice, il y a Joseph, il y a. Il savait pas, il ne connaissait pas, il va les témoigner comment. Donc, tant que nous n'avons pas rencontré les 7000 hommes que Dieu s'est réservés, vous voulez qu'on les témoigne, pourquoi? On ne va pas témoigner des gens comme ça dans le vide. Non. Nous témoignons les gens. Voilà pourquoi, quand il y a aujourd'hui des frères, n'est-ce pas, qui reçoivent l'évangile au travers le net, ceux qui sont humbles et sincères le disent. Nous avons écouté par tel. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore, quelqu'un peut écouter, n'est-ce pas, en Djibouti, là-bas, à l'Internet, il comprend tout ça. Il commence aussi à annoncer la parole. Il dit que lui, Dieu l'a révélé. Il peut le faire. Qu'est-ce que, comment on le saura? Hein? Et là, vous allez voir que Paul, pourquoi maintenant toutes les églises, n'est-ce pas, en dehors d'Israël, étaient considérées, n'est-ce pas, comme étant les églises qui étaient sous l'autorité de Paul? C'était la touche que Paul avait. Parce que vous voyez, eux tous prêchaient, hein, vous voyez, ils prêchaient, mais Paul a eu cette touche, je vais le dire simplement. Eux, ils prêchaient tout en obéissant encore, n'est-ce pas, à la lettre dans beaucoup d'histoires. Voilà pourquoi même ceux qui étaient avec les apôtres sacrifiaient encore les animaux. Parce que tout en croyant en Jésus, ils continuaient à respecter la lettre de la loi. Mais quand Paul est venu, Paul a insisté sur l'esprit de la loi. Voilà pourquoi il dit que la lettre tue, l'esprit vivifie. Ça, c'était une touche spéciale de Paul, où toutes les églises qui étaient païennes, les églises des païens, des nations, se reconnaissaient parce qu'ils n'avaient pas l'obligation de respecter, n'est-ce pas, la lettre de la loi qui venait des Juifs. Comme aujourd'hui, nous avons une touche où nous expliquons les choses, n'est-ce pas, qui fait la différence. C'est cette touche-là. Vous-même, vous écoutez les gens, non? On ne vous interdit pas. Nous ne sommes pas de ceux qui vous interdisent d'écouter. Écoutez. Et vous-même, vous allez faire le constat que cette touche, pour l'instant, il y a une cohorte de Congolais. Un petit pourcentage, n'est-ce pas, de non-Congolais, parce qu'il y a des frères ministres qui ne sont pas Congolais, mais bon, généralement, pour l'instant, ce sont encore des Africains. Ça, donc, dès que c'est un Africain, vous avez la facilité de vous dire que non, voilà, il a un lien avec les Congolais. Voilà. Mais c'est toute une cohorte, n'est-ce pas, de frères. Hein, c'est l'attitude qu'on a aussi. Nous, on ne se cache pas, on le dit. Peut-être qu'il y a 7000 hommes qui sont humbles, qui ne veulent pas se montrer dans les médias et les réseaux sociaux. Donc voilà. Moi, je garde, jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est vrai. Comprends que Dieu a 7000 hommes qu'il se réserve, qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Le jour où Dieu va nous les révéler, nous allons nous embrasser comme étant des frères. Deuxièmement, je retiens que l'œuvre de Dieu, je ne peux pas m'y mixer pour pouvoir commencer à dire que moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si les gens reconnaissent que ah, Dieu a fait cela par ma petite personne, gloire à Dieu. Ça, c'est. Mais je témoigne toujours ceux à qui. Ceux qui m'ont prêché la parole sont des frères congolais. Voilà. Donc, on les témoigne. Et aujourd'hui, je témoigne tous les frères qui m'ouvrent, n'est-ce pas, les mystères du royaume. Quand j'apprends d'eux, je témoigne, c'est là que j'ai appris ça d'eux.
pour que ce lien de fraternité, n'est-ce pas, puisse se consolider. C'est comme ça que nous consolidons le lien de fraternité en reconnaissant, n'est-ce pas, les grâces des uns et des autres. C'est facile et c'est très simple, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un qui reçoit, qui ne veut pas, qui veut se faire, n'est-ce pas, un arbre isolé. Ouais, c'est lui qui veut s'isoler. C'est l'esprit de Saphir. Saphir et Ananias et Saphir. Donc, pendant que nous sommes un seul cœur, une seule âme, lui, il veut se détacher. C'est lui-même qui se détache. Voilà pourquoi il ne veut pas reconnaître, dire que non, mais pourquoi vous voulez seulement que je reconnaisse cela? Mais non, parce qu'ils ont commencé à... Ouais, j'ai pas lu beaucoup de versets. Hein. Paul reconnaissait, il disait que tels sont venus avant moi dans la foi. Voilà, sont venus. Il reconnaît que ils ont cru avant moi. Voilà, parce que toi tu as cru, mais tu as cru après nous. Tu as cru après nous. Mais maintenant, comment tu veux dire que ces choses-là que tu prêches, nous parlons le même langage. Tu as cru après nous. Mais tu les as eu où? Dieu t'a révélé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, que le Seigneur te soit favorable. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Sois humble et l'œuvre de Dieu va prospérer entre ses propres mains. Voilà ce que je peux dire. N'est-ce pas? Si vous n'êtes pas satisfait, bon, je sais que je n'ai pas vraiment répondu de manière assez. Le monopole de la vérité, c'est Jésus. Hein. C'est question de pouvoir prêcher comme Jésus. N'est-ce pas? Et vivre comme Jésus, faire comme Jésus, vous avez, c'est là où il y a la vérité. En dehors de ça, il n'y a pas la vérité. Donc, que le Seigneur nous soit très favorable, que le Seigneur nous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.